Bienvenue à toutes et à tous. Merci, cher Vincent, de nous rejoindre ce soir à Caen, Mémorial de Caen. Merci à Laurent, qui a été un exceptionnel conducteur entre Paris et Caen. Bravo à vous deux de nous rejoindre. Je vais être très bref parce que c'est la parole de... Oui, bien sûr, je sais faire. Merci. Merci, Vincent, de nous rejoindre ce soir. La parole d'un historien, la parole d'un chercheur, la parole de l'ancien directeur du Centre de recherche français à Jérusalem, cette parole nous est précieuse ce soir, car nous avons besoin du temps long, de la réflexion de l'historien, celui qui est capable de réfléchir sur le temps long, de dépasser les passions et de nous faire comprendre la complexité des choses, la complexité des événements, la complexité de la géographie qui détermine l'histoire des hommes. Cette parole-là que nous souhaitons entendre. Merci Vincent et je te laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup. Est-ce que mon micro est branché ou... Oui, c'est bon. Voilà, désolé vraiment pour cette arrivée en retard, mais je peux vous dire qu'a priori, je ne devrais pas être là. Parce qu'aux alentours de 16h20, gare Saint-Lazare, plus de train, rupture de caténaire, tout est terminé. Quoi. Donc 16h20, gare Saint-Lazare, pour 19h ici, c'était pas bon. Mais effectivement, Laurent Van Der Stock, qui est un habitué de la maison, qui connaît le chemin, m'a dit, rejoins ma voiture, on y va. Et nous voilà. Donc très heureux d'être ici. Je vais essayer d'écourter un tout petit peu mon intervention, parce que je voudrais qu'on garde du temps pour les échanges. Je crois que la situation est... Le sujet dont on parle, dont on va parler, est assez, je pense, choquant, remuant pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup d'entre vous. Et donc, vous avez peut-être envie d'échanger aussi, de poser des questions. Et mon premier métier, moi, c'est enseignant. Je suis prof... Je suis prof à l'université Paris-Est Gustave Eiffel. Donc j'ai des étudiants, j'ai des amphis. Vous imaginez que ces étudiants viennent d'un peu partout. Vous imaginez qu'ils ont des positionnements par rapport au sujet dont on va parler, qui sont divers et variés. C'est pas un problème. Hein. C'est pas un problème d'échanger, d'interagir et puis d'essayer de mettre dans tout ça un petit peu de profondeur historique, pas du tout pour... J'aime pas du tout quand on demande aux historiens de relativiser. Je crois pas que c'est notre fonction. Notre fonction, c'est de caler les événements dans le temps. Et ce qui se passe depuis le 7 octobre, vous allez voir qu'on a bien du mal à le relativiser, effectivement. Et les massacres du 7 octobre et les massacres qui se passent à Gaza depuis la fin du mois d'octobre. Donc voilà, c'est ça que je suis venu faire. Alors dans l'urgence, parce que je devais aussi terminer mon PowerPoint dans le train, dans l'urgence, j'ai envoyé à Audrey des images un petit peu de la BD que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, que vous avez peut-être déjà vu défiler. Alors On a intitulé avec Rémi Ourdan, que je remercie également, parce que c'est Rémi qui a eu l'idée de cette conférence, on a intitulé Israël-Palestine vers la guerre existentielle. Qu'est-ce que c'est qu'une guerre existentielle ? Ce sont des combats qui ne se limite plus à gratter un peu plus de territoire ou améliorer le rapport de force ou être plus nombreux à la fin qu'au début. Voilà, ça, c'est, on va dire, ce qui se passait jusqu'ici. Une guerre existentielle, c'est une guerre dans laquelle l'existence même des deux peuples est posée. Il y a un risque existentiel, on va dire. Alors, réel ou ressenti ? Ressenti, c'est certain. Réel aussi, on va voir pas à la même échéance. Je l'ai dit plusieurs fois dans les médias, je peux le redire tout de suite devant vous. On voit bien que pour les Palestiniens de Gaza,
Il y a un risque existentiel à très court terme, on va dire immédiat, maintenant. Hein? Mais il faut dire aussi que pour les Israéliens, depuis le 7 octobre, ils ont ressenti cette attaque comme le symptôme d'une menace existentielle sur l'existence, justement, de leur propre État, de leur jeune État. Donc c'est ça qui rend cette phase du conflit tout à fait singulière. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est une guerre existentielle ? D'abord, très simplement, je vais redonner quelques chiffres. Ils sont terribles à la fois par leur ampleur et puis à la fois parce que ce ne sont que des chiffres. Mais, ouais, est-ce que tous les autres portables sont bien coupés ? Ça, là, je suis exactement comme devant mes étudiants. Ces chiffres, ils sont terribles par leur ampleur, mais ils sont aussi terribles parce que ce ne sont que des chiffres. Mais il faut d'abord les donner, et il faut, pour arriver à caler ces événements, ce qui s'est passé autour de Gaza le 7 octobre et ce qui se passe à Gaza depuis le 7 octobre, dans nos consciences. Donc à Gaza, on a compté d'abord 1400 morts, puis 1200 apparemment, donc rapporté à la population juive israélienne, un petit peu moins de 7 millions de juifs israéliens, donc il faut faire x10 hein, pour mesurer à peu près la situation dans une perspective française. Donc 1200 x 10, 12 000. Voilà, une attaque terroriste qui fait 12 000 morts en une seule journée. Vous vous souvenez, nous nous souvenons, du traumatisme que vous avez tous ressenti, hein, y compris si vous n'habitiez pas le 11e arrondissement de Paris, du traumatisme ressenti après les attentats dits du Bataclan, Bataclan et Stade de France. 90 morts au Bataclan, 130 morts en tout. Ben là, c'est 12 000. Donc, c'est 100 fois plus. D'accord ? Ça, c'est... Ça, c'est les chiffres du côté israélien. À Gaza, maintenant. À Gaza, le ministère de la Santé du Hamas considère qu'il y a à peu près 20 000 morts au jour où on parle. Et tous les observateurs s'entendent pour dire qu'il y a aussi plusieurs milliers de morts sous les décombres. Sans doute autour de 10 000, peut-être un peu plus. Si on retient même 25 000 morts sur une population de 2,3 millions d'habitants, 25 000 morts sur 2,3 millions d'habitants, ça fait 1% de la population. Alors peut-être que vous vous dites, ah ben 1%, c'est pas tant que ça finalement. 1%. 1% rapporté à la population française, ça fait 650 000 morts. Une guerre qui, en quelques semaines, encore une fois, hein, si on, territoire de Gaza, territoire de la France, aurait fait 650 000 morts en France, dont plus de la moitié de femmes et d'enfants. Donc plus de 300 000 morts, femmes et enfants. Voilà. C'est avec des événements de cette ampleur que les deux sociétés doivent agir et réagir. Imaginez l'état de la société française s'il y avait eu un attentat qui avait fait 12 000 morts en une journée, dans des conditions que l'on sait. Imaginez l'état de la société française si il y avait eu une guerre depuis quelques semaines qui avait fait 600 000 morts, 650 000 morts, dont 300 000 femmes et enfants. Je dis ça immédiatement parce que, je l'ai dit aussi, c'est, je crois que depuis le 7 octobre, toutes celles et tous ceux qui ne sont pas ou à Gaza, ou en Israël, ou avec de la famille à Gaza et en Israël, doivent
faire cet effort de peut-être comprendre ce qui se passe dans les psychismes des deux côtés. Comprendre. Et puis, deuxièmement, essayer, pour ce qui nous concerne, à Caen ou à Paris ou à Montpellier, ou quelles que soient nos convictions, quels que soient nos parcours, quelles que soient nos identités, mais on est dans, vous êtes d'accord qu'on est dans aucun de ces deux groupes-là dont on vient de parler, pour ce qui nous concerne, essayer de garder une certaine retenue, parce que, voilà, imaginez si nous étions, encore une fois, les premiers concernés. Donc, on est bien face à deux événements en miroir qui sont absolument sans précédent. Sans précédent, ça ne veut pas dire sans antécédent. Hein. Il y a des antécédents à ces événements, il y a donc des explications. Non, expliquer n'est pas justifié, jamais, nulle part. Vous avez des livres d'histoire formidables sur l'idéologie nazie, les techniques de mise à mort, la Shoah par balle. Tout peut s'expliquer. Tout doit s'expliquer. Les sciences sociales sont là pour expliquer. Et l'explication n'est jamais une justification. Jamais. On peut expliquer dans une phrase et dans une deuxième phrase justifiée, si on a envie. Mais c'est en soi, l'explication n'est jamais une justification. Donc, on est effectivement face à des événements qui sont, à proprement parler, sans précédent, avec antécédent, mais sans précédent. Alors, comment on fait pour les replacer dans un récit ? Parce que c'est le rôle de l'historien. Le rôle du reporter, du journalisme, c'est de raconter, c'est de montrer, c'est de décrire, c'est de documenter. Le rôle du photographe, oui, c'est de montrer aussi, c'est de faire en sorte que les images disent quelque chose, racontent quelque chose que les mots parfois n'arrivent pas à dire. Le rôle de l'historien, c'est de construire et reconstruire en permanence un récit. Y compris quand la trame de ce récit a été transpercée, déchirée, lacérée par un événement ou par des événements de cette ampleur. C'est ça que fabrique un traumatisme de cette ampleur. Ça déchire le récit. Ça craque de partout. Il n'y a plus de trame, il n'y a plus de texte, il n'y a plus de récit possible. Et donc, il ne reste que la sidération. Et la sidération, vous le savez, c'est très, très dangereux pour un individu. C'est très dangereux pour un groupe aussi. Hein ? On sait que dans une situation post-traumatique, il faut faire parler les traumatisés. Et il faut aussi faire parler et échanger, interagir avec un groupe. Moi, c'est ce que j'ai ressenti tout de suite, dès le 7 octobre, il fallait reprendre la parole. Et j'ai réfléchi pas très longtemps. Je me suis dit, mon rôle d'historien, c'est d'essayer de caler cette guerre existentielle dans le temps, dans le récit. Ne serait-ce que d'abord pour vérifier si c'est sans précédent. Pas dire c'est sans précédent comme ça, c'est pas un slogan, il faut vérifier, est-ce qu'il y a des précédents ? Est-ce que ça correspond à un des événements précédents ? Est-ce que ça correspond à une période précédente ? Est-ce que ça colle avec nos grilles d'analyse précédentes ? Spoil, non. Mais faisons quand même cet effort, faisons quand même ce travail. Et je vous passe ces images pour vous dire tout de suite que ce n'est pas parce que c'est sans précédent que ça ne réveille pas des mémoires traumatiques. C'est bien le problème. Alors, l'histoire du conflit israélo-palestinien, on peut en faire un,
un cours magistral de plusieurs années à l'université, je l'ai déjà fait. On peut aussi essayer de séquencer ça en 4-5 minutes. C'est ce que je vais essayer de faire devant vous. Seulement pour vous essayer de vous démontrer que voilà, on est passé de quelque chose à autre chose. Le conflit israélo-palestinien, on peut dire qu'il a connu 4 grandes séquences avant celle qui s'ouvre aujourd'hui, hein, et que nous entrons dans un 5e acte. La première séquence, c'est la fin du 19e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale, on va dire jusqu'à 1917. C'est la genèse des identités nationales et des projets nationaux. Du côté sioniste, congrès de Bâle, 1897, du côté palestinien, s'élabore à la fois oui, une identité et une identité et un projet, le projet de construire non pas seulement une nation, mais un État-nation, c'est-à-dire un État pour la nation, pour le peuple. D'accord ? Ça, c'est la genèse des projets nationaux concurrents. Ce sont des conversations, ce sont des échanges, ce sont des congrès, ce sont d'ailleurs parfois des échanges épistolaires entre des Palestiniens et des sionistes qui confrontent. Voilà, c'est des échanges intellectuels, on va dire. Intellectuels puis politiques. Fin 19e jusqu'en 1917. Ensuite, il y a une deuxième séquence très importante qui s'ouvre en 1917 avec l'instauration du mandat britannique sur la Palestine, qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est un nouvel acteur qu'est la communauté internationale. Et ce nouvel acteur ne va jamais quitter la scène. En l'occurrence, c'est la Société des Nations, vous savez, ancêtre des Nations Unies, qui, à l'issue de la Première Guerre mondiale, décide de transmettre un mandat à la Grande-Bretagne. Et le mandat est assez simple dans son énoncé, hyper compliqué dans sa possibilité d'être réalisé ou non. Le mandat, c'est appliquer en fait un des 14 points de Wilson, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, appliquer ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en Palestine, ce qui évidemment amène tout de suite une double contradiction. D'abord parce qu'on met en place un système colonial pour faire éclore le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est un peu paradoxal. Et c'est le Colonial Office britannique qui va gérer et la Palestine et l'Inde. Hein, c'est la même entité. Première contradiction. Puis deuxième contradiction, il y a 2 peuples. Hein, il y a un peuple autochtone, les Palestiniens. Et puis, il y a des Juifs qui, petit à petit, adhèrent aux projets sionistes, qui sont peu nombreux d'abord, et puis de plus en plus nombreux. Donc, la période du mandat, on peut dire 1917-1947, une trentaine d'années encore, c'est la deuxième séquence, ce sont des affrontements sporadiques sous tutelle internationale. Je dis affrontements sporadiques parce que, voilà, c'est quelques centaines de morts, ça peut aller jusqu'à quelques milliers de morts, quand la répression britannique est extrêmement brutale. Mais vous voyez, on est dans ces chiffres-là. Des affrontements, des émeutes. Un des moments les plus violents, c'est août 1929, ce qu'on a appelé les émeutes du mur. 250 morts dans toute la Palestine. À peu près 135 juifs, 120 palestiniens. Vous voyez, on est dans ces chiffres-là. Vous vous souvenez des chiffres qu'on a donnés au début? Pourtant, les émeutes d'août 1929, c'est considéré par certains historiens, pas par moi, mais par certains historiens, comme l'année zéro du conflit israélo-palestinien. C'est vraiment... Voilà. Donc, affrontement sporadique sous tutelle internationale. La troisième séquence, elle s'ouvre en 1947, et on pourrait dire qu'elle se referme à la fin des années 70, au début des années 80. C'est ce qu'on a appelé le conflit israélo-arabe. Le conflit israélo-arabe, ce sont des guerres conventionnelles entre États. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Guerre de 1948-49,
entre le tout jeune État d'Israël et les États arabes de la région. Guerre des Six Jours, 1967, rebelote. Guerre de Kippour, rebelote. On pourrait même intégrer la guerre du Liban d'une certaine manière, enfin en tout cas comme l'espèce de fin de cette séquence-là, et justement le passage à une autre séquence, parce que la guerre du Liban, c'est compliqué. Ce n'est pas seulement une guerre entre deux États, c'est une guerre entre plusieurs entités à l'intérieur d'un même État, en l'occurrence le Liban. Voilà, c'est le conflit israélo-arabe, ce sont des guerres conventionnelles entre États. On sait ce que c'est qu'une guerre conventionnelle. Ce n'est pas forcément très propre, hein, mais voilà, ce sont des soldats, ce sont des hommes en uniforme, ce sont des règles d'engagement, c'est des armes, c'est des fronts qui sont percés, c'est des retraites, c'est tout ça. Et vous le savez, hein, à l'issue de ces guerres conventionnelles, l'État d'Israël gagne du territoire, notamment à l'occasion de la guerre des Six Jours, qui lui permet de conquérir d'abord tout le Sinaï, qu'il va rendre ensuite, toute la Cisjordanie, qu'il va occuper durablement jusqu'à aujourd'hui, et tout le Golan. Voilà, des guerres conventionnelles entre États. On n'est plus là-dedans. Vous êtes d'accord? C'est bien, même ce qui caractérise la situation actuelle, c'est cette espèce d'affaissement des autorités étatiques ou para-étatiques, j'ai bien dit des autorités étatiques et para-étatiques, du côté palestinien, mais également du côté israélien. Un des sujets actuels, c'est que l'État d'Israël ne contrôle plus toute une partie, en fait, des citoyens armés. Ah, ce ne sont pas des parties des citoyens armés israéliens, les colons, en gros. Ce ne sont pas des militaires, donc ils n'agissent pas dans un cadre étatique. Donc ça, c'est la séquence 3, guerre conventionnelle entre États. La séquence 4, on va dire le quatrième acte, c'est celui qui s'ouvre au milieu des années 1980, en particulier en 1987, avec la première intifada, ce que les Occidentaux appellent la première intifada, ce que les Palestiniens considèrent comme la deuxième intifada, parce qu'en Palestine, la première intifada, c'est celle de 1936-1938. Ce quatrième acte, on pourrait dire que c'est une alternance d'intifada, de soulèvement et de négociation. Le pivot du côté palestinien, c'est l'OLP. Et à l'intérieur de l'OLP, le Fatah, le parti de Yasser Arafat. Donc, vous voyez, ce quatrième acte, c'est ce qu'on a pu appeler une repalestinisation du conflit, c'est-à-dire qu'on passe du conflit israélo-arabe, guerre conventionnelle entre États, avec des États arabes qui font la guerre à Israël, a priori pour défendre la cause palestinienne, pas seulement, en réalité. Le quatrième acte, c'est une réappropriation de la conflictualité par les Palestiniens, qui s'en donnent les moyens, qui créent des groupes de combattants, qui se livrent aussi à des actions terroristes à l'extérieur de l'espace israélo-palestinien, et qui combattent les Israéliens à l'intérieur de l'espace israélo-palestinien. Intifada, première intifada civile, deuxième intifada beaucoup plus militarisée. Je ne rentre pas dans les détails. J'insiste seulement pour dire que ce qui caractérise ce quatrième acte, du côté palestinien, c'est que c'est l'OLP qui est le pivot, et du côté israélien, c'est ce qu'on a appelé le camp de la paix, en gros. D'accord ? Et ce quatrième acte, c'est aussi cette alternance de soulèvement palestinien et de négociation. J'y insiste, hein. Il ne faut pas du tout opposer les deux. Quand Yasser Arafat déclenche ou encourage ou accompagne la première intifada, puis la deuxième intifada, c'est bien pour renforcer un rapport de force dans la perspective de futures négociations. C'est ça, hein, qui, par exemple, relie chronologiquement la première intifada à ce qu'on a appelé le processus d'Oslo. Est-ce qu'on est encore dans cette quatrième séquence? À l'évidence, non. Du point de vue des acteurs, le Hamas est désormais le pivot de la résistance palestinienne et non plus l'OLP. Ça change beaucoup de choses. Le camp de la paix,
en Israël est totalement décrédibilisé et ramené à sa portion congrue, y compris sur le plan électoral. Et aujourd'hui, vous le savez, ce sont les extrémistes religieux qui ont le pouvoir, qui ont pris le pouvoir véritablement en Israël. Donc on est dans autre chose. En fait, on y était déjà, depuis le milieu des années 2010. On y était déjà, mais on se racontait, on continuait de se raconter de temps en temps. On faisait une photo avec Mahmoud Abbas, de temps en temps, on essayait d'organiser quelque chose. La dernière vraie photo, c'est Annapolis 2017, qui ne dit rien. Hein. C'est une photo qui ne dit rien d'autre que la volonté de faire une photo. Voilà. Et qui ne représente plus rien, mais on essaye de continuer, en fait, de raconter cette histoire du processus d'Oslo qui, en fait, est terminée depuis longtemps. Donc ça, c'est le quatrième acte. Hein, le quatrième acte, soulèvement civil palestinien et négociation avec l'OLP en pivot du côté palestinien, le camp de la paix du côté israélien. On est aujourd'hui, on a basculé aujourd'hui dans totalement autre chose. Dans le cinquième acte, alors, vous savez que dans la tragédie, le cinquième acte, c'est le dernier. Hein, c'est généralement l'acte du dénouement. Dans la tragédie, ça se termine mal, hein, souvent. Et c'est là qu'on peut revenir à cette question de la guerre existentielle. C'est que dans la tragédie, souvent, le dénouement, c'est la mort d'un des protagonistes, en tout cas d'un des protagonistes principaux. Mais j'arrête là cette métaphore. Je la reprends seulement pour bien marquer qu'effectivement, on a basculé le 7 octobre et dans les semaines qui ont suivi, et on est en train de basculer parce qu'on n'est pas dans un attentat classique. Hein. Un attentat, le 11 septembre, c'est le 11 septembre. Hein. Le soir, c'est fini. Alors, il y a de la fumée, c'est terrible. Après, il y a la guerre d'Afghanistan. Après, il se passe plein de choses. N'empêche que l'événement lui-même, il est... Le 7 octobre, c'est autre chose, notamment parce qu'il y a des otages, hein, qui font que c'est un événement qui se poursuit, hein, et qui, d'une certaine manière, s'étale dans le temps. On a basculé dans autre chose, et c'est pour ça que les deux sociétés, la société palestinienne et la société israélienne, ressentent ce moment comme une guerre existentielle. Aussi parce que le moment que ces sociétés traversent, j'ai bien dit que ces sociétés traversent, pas nous. Nous, on peut l'observer, on peut travailler dessus, on peut y réfléchir, c'est ce que je fais. On peut photographier, on peut documenter, mais nous ne traversons pas ce qui est en train d'arriver aux sociétés israéliennes et palestiniennes. Quoi qu'on se raconte. Ces moments sont considérés comme des menaces existentielles parce qu'elles réactivent des traumas très anciens dans les deux sociétés. Du côté israélien, on a beaucoup entendu parler de pogroms, hein, les pogroms du 7 octobre, même si, là je vous ai mis une image, une case qui parle justement des massacres d'Hébron en août 1929, Bon, Hébron en août 1929, c'est 70 morts. Hein. Là, c'est 1200, quoi. C'est x 20. Et évidemment, cette question des pogroms emmène les imaginaires israéliens, et c'est le but, hein, vers le traumatisme de la Shoah. Et c'est pas du tout que des commentateurs, ou moi encore moins, mais vous savez que la délégation israélienne aux Nations Unies, et y compris dans l'enceinte du Conseil de sécurité, quelques jours après le 7 octobre, est entré et s'est assis autour de la table ronde du Conseil de sécurité avec des étoiles jaunes. Toute la délégation israélienne. Ce à quoi, d'ailleurs, la direction de Yad Vashem, le mémorial de la Shoah, s'en est scandalisée et a exigé que
les diplomates israéliens cessent d'instrumentaliser, le terme était utilisé évidemment par les responsables de Yad Vashem, donc Yad Vashem c'est le mémorial israélien de la Shoah. Voilà, mais c'est pour vous dire que c'était pas seulement sur des plateaux télé ou voilà, dans un contexte médiatique ou politique. Donc, pogrom, mémoire de la Shoah, et donc menace existentielle, en tout cas telle qu'elle était ressentie. Du côté palestinien, ce qui se passe depuis la fin du mois d'octobre ne peut être rapporté qu'à l'événement fondateur du traumatisme historique palestinien qu'on appelle la Nakba, la catastrophe. La Nakba, c'est 1948, la destruction de plusieurs centaines de localités, petites villes et villages et villes palestiniennes, et l'expulsion de 750 000 Palestiniens vers les États voisins. C'est l'origine des camps de réfugiés hein, et de la question des réfugiés palestiniens. Vous avez bien entendu, 750 000, la Nakba. La Naksa, ce qu'on appelle la Naksa, c'est-à-dire la rechute de 1967, parce qu'il y a encore des expulsions de Palestiniens de Cisjordanie pendant la guerre des six jours, mais c'est à peu près 150 000 Palestiniens. Retenez bien ces deux chiffres, 750 000 en 48, 150 000 en 67. Nous parlons aujourd'hui de 2,3 millions de Palestiniens de la bande de Gaza qui sont explicitement menacés d'expulsion vers l'Égypte. Donc, le terme n'est absolument pas exagéré. D'autant plus que sur ces 2,3 millions de Palestiniens qu'on appelle des Gazaouis, en fait, 80% sont des réfugiés ou des descendants de réfugiés de 48 ou de 67. Donc, quand on dit que ça fait rejouer le traumatisme, ce n'est pas un discours historien. C'est ressenti dans l'intimité des familles. Gaza, les camps de réfugiés de Gaza, c'est une vaste agrégation de camps de réfugiés. Les camps de réfugiés de Gaza, ils sont structurés en partie par l'origine géographique des habitants. On sait très bien que telle famille vient de Haïfa, telle famille vient de Jaffa, telle famille... voilà, c'est 80% des habitants de Gaza sont des réfugiés. Donc là, on parle de 2,3 millions d'habitants. Vous savez qu'on a demandé aux 1,6 million d'habitants de la zone nord de se déplacer en zone sud, dans des conditions extrêmement difficiles, parce que la zone sud était considérée comme sûre. Et puis aujourd'hui, vous savez que les combats ont lieu en zone sud. Or, la zone nord est détruite et entièrement sous contrôle israélien. Et il n'est pas question pour les populations civiles, il leur est interdit de se déplacer vers le nord. Donc, soyons clairs, il y a des plans hein, d'expulsion par des corridors humanitaires vers l'Égypte. Il est très probable que l'Égypte résistera jusqu'au bout. Il est probable que ça n'arrivera pas, mais le plan, c'est celui-là. D'accord ? Et le plan, évidemment, c'est que la situation humanitaire des populations civiles de Gaza devienne à ce point catastrophique et horrifique qu'il y ait une pression internationale sur l'Égypte pour ouvrir les frontières. Donc, vous voyez quel traumatisme historique sont réactivés. Y compris pendant les 8 jours dites de la trêve, où on a eu une négociation libération d'otages d'un côté versus libération de prisonniers, ça aussi, ça a fait rejouer des traumatismes très anciens, des ressorts culturels et anthropologiques en fait très très puissants dans les deux sociétés. La société juive israélienne est une société de l'exil. Hein, c'est seulement la troisième génération qui ne vit pas en exil. Et si vous ouvrez
l'Ancien Testament, la Bible, hein, la Bible juive, vous allez voir que la question de la captivité est majeure. Captivité à Babylone, évidemment, mais captivité tout le temps, en fait. Quand on vit en exil et qu'on n'a pas d'État souverain, on est assez facilement captif. Et donc, cette question des otages, on l'a peu entendue, mais en fait, c'est quelque chose qui résonnait très, très, très fortement sur le plan culturel et anthropologique dans ces sociétés juives, avec y compris, si vous lisez le Talmud, vous allez voir plein de passages où on se demande est-ce qu'il faut libérer d'abord les femmes ou d'abord les rabbins. Réponse, d'abord les femmes, parce qu'elles peuvent être violées, et puis elles peuvent faire des enfants. Et même le plus grand des rabbins ne sera libéré qu'après la dernière femme. Enfin bref, il y a toute une théologie comme ça de la négociation des captifs. Et puis du côté palestinien, les prisonniers, c'est extrêmement fort également, parce qu'on peut considérer que la société palestinienne est une société carcérale. Premièrement, parce qu'une bonne partie des Palestiniens, en particulier des hommes, ont été ou iront en prison. Hein, ça fait partie d'une vie presque normale pour un Palestinien. Quelques heures, quelques jours, quelques mois, quelques années. Hein, les Palestiniens sont très, très souvent emprisonnés. Et puis, on peut considérer aussi que le territoire palestinien est un territoire carcéral, puisqu'on n'a pas la liberté de circuler. Hein, donc, faire libérer des prisonniers du côté palestinien, c'est vraiment, ça fait aussi partie d'un consensus national très, très, très fort. Je vais bientôt aller... Ça fait combien de temps, là? Parce que je ne sais pas du coup à quelle heure j'ai commencé. Grosse demi-heure? En plus? Encore 10 minutes. Oui, ça fait une grosse demi-heure, c'est ça, pour l'instant. Encore 10 minutes. Dernier point qui signale l'ampleur du traumatisme subi par les deux sociétés, le fait que les acteurs aux commandes, on l'a dit, ont totalement changé par rapport à la séquence précédente. Et on pourrait dire que ces acteurs, des deux côtés, ce qui les réunit, on va dire, c'est une perspective eschatologique. Qu'est-ce qu'une perspective eschatologique ? C'est un horizon dans lequel des personnes croyantes, très croyantes, peuvent mener un combat où la mort peut arriver. Elle peut même être provoquée, éventuellement, sa propre mort, hein. Pas la mort de l'ennemi. Sa propre mort peut arriver. On est très croyant. On n'est pas seulement croyant pour soi. Hein. C'est pas, faut pas ramener ça à un calcul égoïstement individuel. On se situe dans une perspective eschatologique ou apocalyptique, c'est-à-dire que la fin des temps, le jugement dernier, tout ça arrivera après des violences et des combats d'une ampleur jamais vue. C'est assez compliqué pour nous de se mettre dans cet état d'esprit-là. Mais il y a toute une partie de l'humanité qui vit dans cette perspective-là, hein. Et y compris des gens qui ne vivent pas du tout dans ces coins-là. Tous les chrétiens, une partie des chrétiens messianistes évangéliques se situent dans une perspective eschatologique. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça, parenthèse, hein, c'est pour ça que leur projet, hein, vous le savez, c'est de rassembler le plus de juifs possible en terre d'Israël, parce que dans la matrice idéologique du messianisme chrétien, le Christ reviendra quand tous les Juifs seront rassemblés en terre d'Israël. Donc c'est une perspective apocalyptique. Du côté palestinien, du côté du Hamas, hein, vous avez aussi ces imaginaires-là. Il faut toujours rappeler, hein, que les trois religions monothéistes sont des religions messianiques. Et
On les distingue parce qu'on dit oui, mais pour les chrétiens, le Messie est déjà venu. Oui, mais il doit revenir. Ça ne change pas grand-chose. Pour les musulmans, c'est le Mahdi. Et le Mahdi arrivera et ce sera le jugement dernier. Il y aura ceux qui seront sauvés et ceux qui seront damnés, etc. Et pour les juifs, c'est pareil. Hein. C'est le jour des comptes. C'est la même chose. Hein. Ce sont des religions qui sont, oui, qui sont messianiques et donc potentiellement eschatologiques ou apocalyptiques. Aujourd'hui, les acteurs du conflit, c'est-à-dire ceux qui agissent le conflit, des deux côtés, ce sont ceux-là. Et donc, vous voyez, c'est compliqué. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué de faire de la diplomatie avec des acteurs qui sont dans cette perspective eschatologique qu'avec des acteurs, on va dire, qui sont dans une rationalité différente. L'OLP, c'est un mouvement laïque, vous le savez. Hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas violent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des séquences terroristes. Voilà, mais c'est des laïcs. Donc avec, on va dire, une forme de rationalité qu'on peut peut-être approcher plus facilement. Et puis le camp de la paix israélien, c'est pareil, hein, c'était un mouvement très largement laïque qui visait à s'assurer en fait d'un accord le meilleur possible pour Israël et qui garantirait à terme la sécurité d'Israël. Vous voyez, c'est des positions en fait qui sont conciliables d'une certaine manière. Des deux côtés, on a des acteurs qui ont basculé dans totalement autre chose. Du côté israélien, et un certain nombre d'observateurs israéliens le disent, on a un gouvernement qu'on peut considérer comme un gouvernement post-sioniste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un gouvernement qui a balancé par-dessus bord le cœur du projet sioniste, la mise en sécurité des juifs de diaspora menacés par l'antisémitisme, au profit d'un autre agenda, d'un autre projet, qui est un projet messianique, restaurer une théocratie juive sur toute la terre d'Israël. Ça n'a rien à voir. C'est pas le même programme. Et c'est même deux programmes contradictoires. Hein ? Parce que installer des juifs partout en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, c'est dangereux. Et ils le savent. Ben-Gvir et Smotrich savent que c'est dangereux. Ils ne sont pas plus bêtes que vous et moi. Mais ce sont d'une certaine manière, ce sont beaucoup d'Israéliens qui le disent. C'est pour ça que je vous le dis, parce que cette question du sionisme est complètement mal posée souvent ici. Ce sont, en tout cas dans une perspective israélienne, ce sont des post-sionistes. Hein, ils font prendre à leur pays des directions qui sont tout à fait différentes de ce qui faisait le cœur du consensus sioniste, c'est-à-dire l'agenda sécuritaire. C'est en ça que, d'ailleurs, le processus d'Oslo, la négociation d'Oslo, était une négociation sioniste. Hein, il fallait s'assurer de frontières sûres où on pourrait sécuriser la présence juive dans ce territoire. Là, on est dans complètement autre chose. Du côté palestinien, c'est tout à fait différent parce que on peut considérer, au contraire, qu'une parenthèse se referme définitivement, qui est la parenthèse d'Oslo. Et du côté palestinien, ça n'a pas les mêmes incidences. On l'oublie trop souvent, mais la charte de l'OLP, 1964, qui n'a jamais été véritablement amendée jusqu'à aujourd'hui, c'est l'instauration d'un État de Palestine indépendant et souverain de la mer Méditerranée au Jourdain, c'est-à-dire sur tout le territoire israélo-palestinien. Et vous vous souvenez sans doute hein, de la fameuse formule de Yasser Arafat en 1989, qui, sous les encouragements de François Mitterrand, déclare que cette charte est caduque. Caduque. C'est Mitterrand qui lui souffle la formule en disant caduque. Vous devriez dire que c'est caduque. La charte n'est pas réformée, elle n'est pas remplacée par un autre texte, mais Yasser Arafat, du haut de son autorité historique, évidemment, et de sa légitimité, considère que cette charte est caduque et que donc on peut négocier pour obtenir un État palestinien indépendant et souverain, non pas sur toute la Palestine, mais à l'intérieur des lignes de cessez-le-feu de 1949-67, c'est-à-dire en Cisjordanie et à Gaza, c'est-à-dire sur 22% du territoire de la Palestine historique. Ça, c'est Oslo.
Oslo, c'est terminé. La charte du Hamas, vous le savez, sans doute, on en a déjà assez parlé, la charte du Hamas, c'est 1988. Exactement synchrone avec la déclaration de Arafat. Et évidemment, ce n'est pas fortuit. Le Hamas, d'une certaine manière, occupe le siège laissé libre par Arafat. Le combat pour une Palestine indépendante et souveraine de la mer au Jourdain, 1988. C'est la charte du Hamas. Par contre, à la différence de l'OLP, qui n'a jamais véritablement amendé, en tout cas à l'époque d'Oslo, cette revendication, le Hamas a fait un chemin, en tout cas la branche politique du Hamas a fait un chemin qui l'ont amené en 2017 à proposer un autre texte qui lui a été très très intensément discuté. Autre texte qui reconnaissait que de se battre pour une Palestine indépendante et souveraine à l'intérieur des frontières du 4 juin 1967, je cite, représentait un consensus national, ce qui veut dire que voilà, on va se battre pour ça. Hein, je le dis aussi hein, parce qu'on entend beaucoup depuis le 7 octobre que tous les militants du Hamas et que tous les acteurs du Hamas veulent la destruction et l'éradication de l'État d'Israël. Le Hamas a fait aussi un chemin, en tout cas une partie du Hamas, chemin qu'il est peut-être en train de défaire aujourd'hui, ça c'est un autre sujet, un chemin qui visait à reconnaître l'État d'Israël dans les frontières de 67. Voilà. Voilà où on en est. Et je n'ai pas tellement envie de conclure, parce qu'en fait, on en est là. On est au milieu de ce paysage-là, qui est un paysage, vous voyez, totalement bouleversé, totalement transformé, face auquel nous devons donc repenser nos grilles d'analyse, parce que sinon, on se trompe. Alors on peut continuer hein, de militer exactement comme avant, hein, des deux côtés. C'est rassurant. Hein. C'est très rassurant. C'est très sécurisant. Parce que ça permet aussi de se dire que voilà, rien n'est arrivé le 7 octobre, rien n'arrive à Gaza depuis le 7 octobre. Si, tout est arrivé, tout a basculé. Et donc, on ne peut plus traiter le problème, que ce soit pour militer, ou que ce soit pour le comprendre, ou que ce soit pour... de la même manière. Voilà, j'ai essayé de poser un petit peu ce qui s'est modifié. On peut maintenant prendre quelques questions. Et moi, on peut parler de ce qui arrivera peut-être, mais c'est un autre sujet. Merci beaucoup. Par rapport à la présentation que vous venez de faire, à la présentation que vous venez de faire, il y a un aspect que je trouve important qui serait peut-être à prendre en compte, c'est que Israël, c'est quand même un pays qui ressemble beaucoup aux pays occidentaux, donc avec des classes d'âge âgées beaucoup plus importantes, alors que la population palestinienne ressemble beaucoup plus aux populations des pays en développement, beaucoup de jeunes. Donc là où je veux en venir, c'est que en grande majorité, la population israélienne est très imprégnée de l'histoire. De l'exil des Israéliens, alors que la population palestinienne, très jeune, n'est pas forcément imprégnée de cette histoire-là. C'est pas la génération de la deuxième intifada, les jeunes qui sont en Palestine actuellement. Est-ce que les différences de classe d'âge peuvent avoir des répercussions sur la façon de voir, de traiter dans les différentes, dans les deux camps ? Alors, moi, je vous rejoins sur le fait qu'effectivement, il faut penser les générations et les... Et on voit bien d'ailleurs que les intifadas, par exemple, à chaque fois, c'est une nouvelle génération hein, qui fabrique une nouvelle intifada, toujours différente de la précédente, etc. Par contre, là où je serais moins d'accord, c'est sur deux choses. D'abord, je pense qu'on a une vision, vue de France, un peu décalée de la société israélienne, qui a beaucoup changé en 20 ou 30 ans, qui est de plus en plus jeune, parce que c'est une démographie de plus en plus dynamique. Quand je dis dynamique, c'est 4, 5, 6 enfants, 7 enfants par femme, hein, donc avec des périodes de natalité qui démarrent à 18-19 ans. Donc, vous voyez, ça, si vous savez compter, hein, 6 x 6, 36 x 6, vous voyez, c'est ce genre de taux d'accroissement naturel. Donc, du côté israélien aussi, on a une population qui rajeunit beaucoup, dont on peut dire aussi que sur le plan des... La transmission culturelle, on va dire,
C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Parce qu'il y a des fractures absolument majeures au cœur de la société israélienne, et y compris d'ailleurs dans les combats en cours. Je lisais l'autre jour un article dans la presse israélienne qui disait quelque chose de très factuel. On a beaucoup dit que les victimes du 7 octobre, c'était, on va dire, un peu l'Israël d'avant, hein, Israël laïque, enfin les kibbutz autour de Gaza, donc plutôt laïque, d'ailleurs beaucoup de militants de la paix. Mais ce qu'on a moins dit, c'est que les morts, les soldats morts, donc on est à 120 morts à peu près là, depuis le début des opérations terrestres à Gaza, en fait, c'est beaucoup des religieux. Les religieux, alors pas forcément orthodoxes, quoi qu'il commence à y avoir maintenant des orthodoxes dans l'armée, hein, parce qu'il y a des unités qui sont créées spécialement pour ça, ce qui d'ailleurs explique en partie la faillite sécuritaire du 7 octobre, c'est qu'une partie de ces unités était constituée d'orthodoxes, et l'attaque, ça ne vous a pas échappé, s'est déroulée un samedi matin. Samedi matin, les orthodoxes sont déconnectés. Voilà. Il y a de plus en plus ou d'orthodoxes ou de religieux dans l'armée israélienne, parce que comme toutes les armées du monde, c'est aussi une armée qui, voilà, c'est pas les plus, on va dire que c'est pas les plus culturellement équipés qui sont en première ligne, on va dire. Donc, je ferai pas forcément cette hypothèse-là, d'autant plus que du côté palestinien, la mémoire, enfin l'histoire de la Nakba, l'histoire de, enfin les jeunes Palestiniens de Gaza aujourd'hui savent d'où vient leur famille. Et ils savent aussi combien de cousins ils ont perdu pendant la première intifada, ou d'oncles plutôt, combien de cousins ils ont perdu dans la deuxième. Tout ça, c'est assez bien. Non, ce sont des sociétés qui sont polytraumatisées, qui subissent des traumatismes, donc celui qu'elles sont en train de traverser sans commune mesure, mais qui subissent des traumatismes très fréquents, j'allais dire très réguliers, très répétés. Et donc, c'est extrêmement présent des deux côtés, je crois. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pensez que ce serait bien que l'ONU refasse un nouveau plan de partage, du coup, comme il l'a pu déjà le faire, pour essayer de régler le conflit, ou ça servirait à... Est-ce que ça servirait à quelque chose ? Alors, moi, je suis pas du tout... je participe pas du tout au diplomate bashing, à l'ONU bashing. Ça, c'est très drôle. Hein, c'est hyper amusant de se moquer des diplomates. C'est souvent, en plus, il y a des raisons, quoi. Mais ni avant le 7 octobre et encore moins depuis, je trouve que c'est inutile et même un peu dangereux et assez indigne, en fait, dans le moment dans lequel on est. Je constate, par exemple, que sans la diplomatie américaine, les grands méchants américains, et sans Joe Biden, on serait sans doute à une guerre régionale d'une ampleur tout autre. Et que la diplomatie doit aussi être jugée à ce qui n'arrive pas. Donc, oui, la diplomatie, oui, la communauté internationale n'arrive pas à trouver une solution, faire deux États, faire un seul État, mais elle empêche des tragédies encore pires d'arriver. Hein ? Et s'il n'y avait pas eu la diplomatie internationale, et notamment la diplomatie américaine, il y aurait déjà, le Hezbollah serait déjà rentré. Netanyahou aurait peut-être tapé l'Iran, donc on serait dans complètement autre chose. Alors maintenant, sur, on va dire, la diplomatie prospective et projective, quoi. Qu'est-ce qu'elle peut proposer ? Je vous remonte cette image-là parce que c'est quelque chose qu'on sait trop rarement. En 1947, quand les Britanniques rendent leur mandat à la communauté internationale en disant « on n'y arrive pas », non seulement on n'y arrive pas, mais on n'y arrivera pas. Donc, vous reprenez le mandat et nous, on s'en va.
le 14 mai 48, on sera parti. C'est ça hein, que font les Anglais. Quand même. Et donc, il y a une commission de l'ONU, l'UNSCOP, qui vient à Jérusalem pendant plusieurs semaines, qui fait des auditions, etc., et qui prépare deux plans. Le premier plan, c'est un État unique, fédéral et binational, qui est porté par un certain nombre de pays. Et l'autre plan, c'est un plan de partition. On ne retient que le plan de partition parce que c'est le seul qui a été mis au vote. Le premier plan n'a pas été voté. D'accord ? Et là, il faut dire, parce que factuellement, c'est une réalité, les organisations sionistes, on est en 47, hein, on est avant l'État d'Israël, donc les organisations sionistes, en fait, ont tout fait pour que le plan d'État binational ne soit pas mis au vote. Pourquoi ? Parce que, à l'époque, ils sont extrêmement minoritaires sur le plan démographique et territorial. La propriété juive dans l'espace palestinien et la population juive est extrêmement minoritaire. Donc, dans le cadre d'un État binational, ils seraient perdants. Et donc, ça atteindrait le cœur du projet sioniste. Hein, un État juif, il ne serait pas juif, hein, il serait à 80% non juif. Donc, en fait, ça a donné ce plan de partition. Alors, moi, je ne sais pas si l'ONU doit... il y a eu le deal du siècle de Trump, il y a eu les négociations de Tabac, il y a eu les négociations de Camp David, il y a eu tout ce que vous voulez. Il y a eu, en fait, des tentatives infinies, en fait, pour essayer de recaler ce projet de partition, cette solution à deux États, dans la réalité de la colonisation. Mais c'est de moins en moins possible et c'est devenu totalement impossible. Je veux dire, rappelez-vous que pour faire sortir les 8000 colons de Gaza, il a fallu 24 000 policiers et soldats israéliens. 3 pour 1. 3 policiers et soldats pour un colon. Il y a 750 000 colons en Cisjordanie. Et quelques dizaines de milliers d'entre eux sont autrement mieux équipés et plus déterminés que n'étaient les colons assez récents, en fait, de Gaza. Donc, je ne sais pas si la diplomatie doit aujourd'hui fabriquer encore des plans qui peuvent plus fonctionner avec le terrain. Aujourd'hui, on est face à une double aporie. Et c'est très dangereux, une double impasse. L'État binational, on ne voit pas bien. Alors, on voit encore moins après le 7 octobre qu'avant. On ne voit pas bien comment ces deux populations, qui sont à peu près équivalentes hein, sur le plan démographique. Hein, il y a aujourd'hui, de la mer Méditerranée au Jourdain, il y a à peu près 7 millions de Juifs qui vivent tous en Israël et 750 000 en Cisjordanie occupée. Et puis, il y a à peu près 7 millions de Palestiniens. Hein, Gaza, Cisjordanie et 2 millions en Israël. Donc, c'est à peu près 50-50, quoi. Mais on ne voit pas bien dans la situation actuelle comment un État binational pourrait fonctionner. Deux États avec une homogénéité et une vraie concordance entre population et frontières, on ne voit pas non plus. Le projet, on va dire, novateur qui est en discussion aujourd'hui, on va dire, chez des militants d'extrême gauche israélienne et palestinienne, alors donc par définition extrêmement minoritaire des deux côtés, c'est une espèce de troisième voie. Hein, c'est le projet qu'on appelle... One Homeland, Two States, donc un territoire, deux États. Ce serait en fait d'avoir deux entités étatiques sur le même territoire. C'est hyper important, un État. Un État, ça représente, ça protège et ça contrôle. Vous êtes représenté par la République, vous êtes protégé, mais vous êtes aussi contrôlé. Si vous vous mettez à faire n'importe quoi. Les Palestiniens, il leur manque ces trois choses-là. Ils ne sont ni représentés, ni protégés, on le voit, ni contrôlés. Et d'ailleurs, une partie des Israéliens commence à être de moins en moins contrôlés également. Donc, on voit bien qu'il y a besoin de deux États forts, reconnus par toute la communauté internationale, tout le monde, ça veut dire toutes les puissances, etc. Ensuite, les ressortissants de ces deux États pourraient, le cas échéant,
vivre dans l'État voisin. Des réfugiés palestiniens qu'on autoriserait à retourner en Israël, des colons israéliens qui resteraient dans l'État de Palestine. Après tout, en Europe, vous avez des ressortissants d'un État, vous avez des Français qui vivent en Allemagne. Et vous avez des Allemands qui vivent... Donc, voilà, aujourd'hui, on réfléchit plutôt à ce genre de schéma pour essayer de sortir de cette double impasse qui était celle de l'ONU en 1947. Parce que la situation d'aujourd'hui n'est plus celle de 1947. Une troisième et dernière question. Oui, toujours. Bonsoir. J'avais une question. Est-ce que vous pensez qu'au final, ce conflit qui dure depuis presque bientôt un siècle, est-ce que vous pensez que ce conflit il aura une fin un jour ? Et est-ce que la communauté internationale doit ou peut se permettre d'intervenir sur le territoire pour régler le conflit. En fait, est-ce qu'il y a une possible fin à ce conflit ? Alors, il n'y a pas une possible fin, il y a une certitude. Mais une paix. Alors possible. Voilà, un conflit, ça se règle de deux manières, soit par une paix. Froide ou chaude entre les deux belligérants, soit par la disparition d'un des deux belligérants. Il n'y a pas vraiment de troisième façon. C'est pour ça que j'ai parlé, et je pense qu'on est aujourd'hui véritablement dans un risque existentiel pour les deux peuples. J'y insiste, un risque existentiel immédiat pour les Palestiniens, en particulier les Palestiniens de Gaza, mais également de Cisjordanie. Un risque existentiel à moyen et long terme pour les Israéliens, parce que cet État d'Israël, c'est ma conviction d'historien, ne peut pas se passer entièrement de toute légitimité internationale. C'est ce qui distingue l'État d'Israël, par exemple, de la Russie. Si vous voulez, Poutine peut faire les pires horreurs en Ukraine et en Tchétchénie et partout ailleurs. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un qui conteste le droit aux Russes d'être Russes en Russie ? Jamais. D'accord ? On peut aller jusqu'au point Godwin, si vous voulez. Même l'Allemagne, d'après la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas la France, il n'y a pas toutes les dérives, tous les fascismes, tout ce que vous voulez. Il y a des États qui sont légitimes en eux-mêmes. D'accord ? Ce n'est pas le cas de l'État d'Israël. Et l'État d'Israël a été créé à la suite d'un vote de l'ONU en novembre 1947. Donc c'est pour ça que je parle vraiment d'un risque existentiel des deux côtés. Donc ce conflit aura une fin qui n'est pas forcément très lointaine. Hein. C'est-à-dire que vous voyez bien, là, les quatre, les cinq séquences, on a bien une montée en puissance du conflit. C'est pas ça monte et ça descend, quoi. Oui, ça monte et ça descend si on regarde jour par jour ou semaine par semaine, mais si on regarde par décennie. Ce conflit aura une fin. Et moi, je suis pas forcément... On s'est beaucoup trompé, on peut terminer comme ça. On s'est beaucoup trompé dans les années 90 et à la fin des années 90, et moi y compris, en pensant que le processus d'Oslo allait tout régler. Et on s'est complètement planté parce que je pense que ça ne pouvait... C'est pas seulement que ça a raté, c'est que ça ne pouvait pas réussir. Pour plein de raisons, on n'a pas le temps de développer. Ça ne pouvait pas réussir. On s'est trompé. Peut-être qu'on se trompe aussi aujourd'hui, enfin qu'on se trompe. On voit bien que la situation est absolument catastrophique, absolument... terrifiante, horrifique, mais j'ai eu l'occasion déjà de le dire depuis le 7 octobre, c'est les Russes de l'histoire. Dans l'histoire, il y a des moments comme ça où on a l'impression qu'on est au bord du précipice, au bord de l'abîme, et c'est ce qui permet justement aux consciences, aux acteurs internationaux aussi, peut-être, d'agir en conséquence, à la hauteur du risque. Et c'est ça la question, c'est la hauteur du risque. Si vous voulez, si les bateaux ne passent plus par le canal de Suez, c'est très compliqué, parce que c'est 2/3 du commerce mondial. Si le pétrole, si vous ne le payez plus 1,95 à la pompe, mais que vous le payez 3 ou 4 euros, vous allez voir que d'un coup, ça ne va plus être
on discute d'Israël-Palestine comme d'habitude. Si effectivement ça devient une crise globale, vous allez voir que des solutions vont se dessiner. Et vous allez voir que la communauté internationale va se mobiliser. Comment, je ne sais pas. Mais voilà. Donc, non, moi, j'ai pas de... On est dans un moment totalement évolutif. Il faut continuer de suivre de très, très près la situation. Et le conflit arrive, c'est ma conviction, vers son dénouement. Voilà. Soit par disparition d'une des deux parties, soit par une paix... chaude ou froide. Merci beaucoup, Vincent Lemire, pour cette brillante conférence. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. C'était la dernière conférence de l'année. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité au mémorial.